Agnihotra doit être accompli selon les indications prescrites dans les écritures védiques. Le ghee, beurre clarifié, doit être versé dans le feu sacré au fur et à mesure que des prières sont récitées séparément pour Agni, Soma, Prajapati et Indra. Agni représente la volonté divine. Soma représente l'esprit. Indra représente l'énergie et Prajapati le créateur. Surya, le dieu soleil, auquel on offre aussi les prières, symbolise le soleil intérieur qui s'élève dans l'âme individuelle en tant que connaissance et conscience. Ce que l'offre au feu pour Agnihotra est du ghee pur. Le ghee est une substance qui est contenue dans le lait sous une forme subtile. Pur en soi, il possède aussi la propriété de purifier d'autres substances. Ce ghee est offert au feu en même temps que sont récités des mantras védiques qui portent en eux toute la force d'intention et de volonté de celui qui fait l'offrande. La grande affirmation qui accompagne l'offrande du ghee est la suivante. Je vais ma conscience intérieure profonde et je la fais coïncider avec ta volonté divine. Ô Seigneur, la conscience qui est cachée à l'intérieur de moi, de même que le ghee qui le ghee caché dans ton lait. Tu es offert comme le ghee au feu sacré qui est le symbole de ta volonté divine. Puisse Agni qui est ta volonté divine, Indra l'énergie, Soma le nectar, Prajapati le roi de tous les êtres créés, se rejoindre à l'intérieur de moi afin que tes grandes intentions se réalisent en moi ainsi que dans l'univers. L'offrande d'herbe médicinale dans le rituel Agnihotra a une signification importante. La fumée de ces herbes purifie l'atmosphère. C'est un fait reconnu. Quand cet air, chargé de force de guérison, se répand dans l'atmosphère, toutes les impuretés qui la polluent sont dissipées. Le lieu devient pur. Les bactéries qui engendrent les maladies ne peuvent plus y pénétrer. La grande présence protège la maison et l'espace qui l'entoure.